Yo tout le monde, c'est Wolfgang et aujourd'hui on se retrouve pour ce 6ème épisode de Clash of Trolls, la série des trolls sur Clash of Clans. Et on va s'amuser pas mal. Mais avant, on va mettre un petit coucou YouTube. Voilà, j'écris avec une main, Chantel Life. Bref, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle composition, 5 golems, 80 gobelins. Donc cette technique, on va pas se faire chier, on va l'appeler le Go Gobelin. Voilà, golem, gobelin, gogo, gogoblin, voilà. Avec 3 sorts de saut, un rage et un soin. On va voir ce que ça donne. Ok, donc coucou à Milania, mais à Monsieur Moustache. Monsieur Moustache, je crois que c'est du Monsieur Moustache. Excuse-moi si jamais. Je me trompe. Donc les gars, je vous propose qu'on parte tout de suite. Voilà. 6ème épisode du Clash of Trolls, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait, mais je me suis dit allez on est parti. Je vais vous dire exactement moi ça fait combien de temps de mon point de vue. Ça fait une semaine, ouais, donc une petite semaine, ça fait quand même, ça commence à être un peu long, donc voilà, donc ça y est on est reparti. Je pense que je vais attaquer cette base les gars, clairement je pense que je vais l'attaquer. Donc ce que je vais faire les gars, c'est qu'on va d'abord envoyer les golems comme ceci. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va placer un saut juste là. À partir de là, on va mettre nos héros juste derrière, comme ceci. Et on va attendre. On va attendre que tous les golems rentrent, les gars. Et une fois que tout sera rentré, on va pouvoir commencer. Allez, les gars. On va, voilà, on écarte un petit peu et on va mettre. Ok, on a explosé une petite bombe. Est-ce que ça rentre? C'est bon, ça rentre, les gars. Donc on va envoyer des gobelins juste ici. Avec, on va mettre un petit sort de rage là et on va mettre un saut juste comme ceci ici, voilà, hop. Donc on continue, on va envoyer les gobelins les gars. Alors les golems, qu'est-ce qu'ils font les golems? Donc les golems, ils ont tous été ici, ok, pourquoi pas. Sort de soin là, ah, le fail. Ok, non, c'est bon les gobelins, reviennent à la charge, le pouvoir du roi les gars. Le pouvoir des rois, je vous rappelle que on est censé faire moi une étoile, oui c'est bon. Ça passe avec les gobelins qui ont détruit cet hôtel de ville très très rapidement. Donc, on a réussi à faire une étoile pour l'instant. Donc, la déception de cette attaque, c'est qu'il y a beaucoup de golems qui sont partis sur le côté. Mais c'est pas très grave. Peut-être que la golemite va tuer la Tesla, tout à fait. Donc, je pense que ça va se terminer sur un 2 étoiles. 2 étoiles sur une base comme ça, honnêtement, je trouve pas ça dégueulasse. Parce que pour une technique assez what the fuck comme ça... Bah franchement je trouve que c'est pas trop mal. Donc bon, je vous la recommande pas non plus hein, les gars. Mais voilà, si vous avez envie de vous éclater un peu, bah, je vous dis pourquoi pas essayer cette technique. Parce que elle est pas trop mal que ça. Elle est pas si mal que ça, elle est assez fun. Et voilà, bah, bien sûr il faut bien maîtriser les golems. Moi je pense que j'ai mis les sauts un peu trop au même endroit. Du coup je pense que j'en ai gaspillé un. Mais c'est pas très grave. Voilà, on va essayer de gratter un maximum de bâtiments. Est-ce que la tour sorcière va tomber? Non, ça fera un 56% avec un petit peu d'élixir noir. Pas trop d'or et d'élixir, mais c'est pas très grave. Un peu d'élixir noir, on aime ça. Donc voilà, cette composition... Bref, franchement, honnêtement, je suis pas trop mal. Je suis pas trop... enfin, je suis content de cette technique. Je m'attendais vraiment à pire. Parce que bon, les gobelins, on sait qu'ils se font assez détruire facilement. Mais là... Grande surprise, comme quoi quand on a des tanks tels que les golems, on peut faire pas mal de trucs. Et la nouveauté sur mon village, c'est que j'ai plus qu'un rempart de niveau 7 à améliorer. voilà, j'en ai chié les gars, autant vous le dire. Voilà, je parle franc avec vous, j'en ai vraiment chié, mais je suis arrivé au bout. Il me reste plus que ce petit rempart, donc voilà. Je pense que je ferai une vidéo justement où j'améliorerai ces derniers remparts parce que voilà, je suis tellement content les gars, vous pouvez pas vous imaginer. Bref les gars, c'était Wolfgang. Si t'as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir.
Partage sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter ou tout ce que tu veux. Après tout, moi je m'en fous, c'est pas mon problème, c'est toi qui fais, c'est toi qui m'aide, tu vois, ça me fait plaisir. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à écouter ma sale voix dégueulasse, ça me ferait plaisir. C'est Wolfgang et peace les quenouilles.